salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo reptile. Ça va vraiment être une petite vidéo, une vidéo entretien de mes lézards, ce que je vous les montre pas souvent. Mais bon là l'occasion s'est présentée parce qu'ils avaient fait vraiment beaucoup de bordel dans le terrarium. Donc je vais vous montrer le terrarium au début et le terrarium une fois fini. Allez, je vous montre ça, c'est parti. C'est parti pour cette petite vidéo entretien. Donc là je vais vous montrer le terrarium au début et je vous montrerai après. Comme on peut voir, c'est un peu le carnage. Même l'eau. Franchement, il y en a un dans l'eau. Ils me font un bordel. Ils sont tout le temps en train de se baigner. Donc l'eau, elle est vachement crade. Faut la changer tous les deux jours. Là, pareil. Ils m'ont tout retourné le bac où je mets la nourriture. Les plantes, n'en parlons pas. Tout y a à terre. Donc comme vous pouvez voir, je vais devoir nettoyer tout ça et remettre tout ça bien en place. Dans cette petite vidéo, ça va être vraiment une petite vidéo entretien de mes lézards. Parce que je les montre pas souvent non plus mes lézards. Donc là, c'est l'occasion. Donc là, comme vous pouvez voir. Il prend son bain. Donc voilà. Et je vous montre ça dès que c'est nettoyé. Et voilà, on se retrouve. Une fois le terrarium terminé, tout propre, j'ai nettoyé mes lianes. Elles sont nickel. Plus de caca dessus. Comme vous pouvez voir. Là-bas, j'ai nettoyé la fontaine d'eau. C'est reparti. Il y a de la fumée. Alors là, c'est une petite préparation que je leur ai faite. De temps en temps, je leur prépare ça. Grillon, verre de farine et des morceaux de poire. Poire et pomme. Alors il y a certains dragons qui mangent pas de fruits et légumes, mais les miens, j'ai de la chance, ils mangent des fruits et des légumes. Pas des grosses quantités, mais ils en mangent. Donc j'hésite pas à leur en mettre. De toute façon, s'ils les veulent pas, ils les laissent là. Est-ce qu'on va le voir? Je vois qu'il y en a un juste là. Aussi, ils grandissent bien. On va pas le voir parce qu'il y a une fée qui nous gêne. Attrape un super beau ver. Donc ça, c'est celui qui mange souvent la pince. Il vient tout le temps manger. Donc voilà pour ce petit nettoyage terrarium. Et entretien. Donc mes copeaux, tout ça, c'est nickel. Et mon terrarium est tout propre. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Entretien de mes dragons d'eau. Donc de mes lézards. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me les poser. Je vous ai montré un peu ce que moi je faisais. J'ai vu qu'il y en a qui se sont inspirés de mes idées pour les phasmes. Après, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je suis toujours le preneur de conseils. Par contre, je vais vous demander dans cette vidéo, c'est de me poser un maximum de questions pour que je puisse faire une autre vidéo foire aux questions sur des sujets, sur des questions que vous posez à mon sujet. N'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. On va dire d'ici 2 semaines, on va faire ça. Donc allez-y, posez-moi un maximum de questions. Et franchement, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes lives tous les mardis. Entre 20h et 21h, ça dépend. Il y a des mardis, ça va être 21h. Il y a des mardis, ça fera 20h. Mais tous les mardis, il y aura un live. Et je vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Reptimorph. Et je vous dis à dimanche pour une vidéo sur les insectes sur Reptimorph.